Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Il est 11h31, on va laisser encore 2 minutes. On va laisser encore 2 minutes. On démarrera à 33 pour finir à l'heure, 2 minutes pour les retardataires éventuels. Voilà, je vois que les gens arrivent. Et après, on se lance. Plus qu'une. Vous êtes prêts, les intervenants? Dans 1 minute, on lance. Eh bien, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire aujourd'hui. Notre ambition pendant cette heure-là avec les experts qui m'entourent, c'est de voir comment on peut aider les entreprises à comprendre les attentes et les nouveaux besoins des salariés, aider les entreprises aussi à avoir des idées ou des pistes d'action concrètes pour faire en sorte de mieux répondre à ces nouveaux besoins. Je suis Magali Siméon, j'ai cofondé il y a 4 ans Lily Facilite la vie. Notre mission, c'est d'aider les salariés à résoudre leurs problèmes perso. Et donc, en fait, notre offre est financée par les entreprises pour l'ensemble de leurs salariés. Et on répond au quotidien à des demandes de salariés sur toutes les problématiques personnelles qui peuvent leur arriver. Ce webinaire est fait en partenariat avec Happytech. Nous sommes parmi les membres historiques de la Happytech. C'est quelque chose qui nous a parlé tout de suite d'avoir un ensemble d'entreprises qui se préoccupent du bien-être au travail et du bonheur au travail. Je sais que le bonheur au travail est une terminologie qui est très challengée. Par contre, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le bien-être au travail et le bien-être dans sa vie est quand même un élément fondamental et très win-win entre le salarié et l'employeur. Puisque finalement, si je vais bien, c'est quand même mieux pour tout le monde. C'est mieux pour moi d'abord. Mais in fine, c'est forcément mieux pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc voilà aujourd'hui, mieux comprendre les nouveaux besoins et surtout quelques propositions concrètes d'action. Je vais passer la parole pour commencer à nos experts qui nous entourent aujourd'hui pour se présenter. Alors, moi, j'aime bien puisque nous sommes 3 femmes et un homme. On va commencer par Mathias. Souvent, on dit on va commencer par la femme, donc on va commencer par l'homme. C'est ce que tu veux bien te présenter. Mais carrément. Donc, Mathias, j'ai 22 ans et j'ai cofondé en fin 2021, du coup, une agence de marque employeur école pour accompagner les entreprises justement à mieux attirer, recruter et fidéliser la génération Z. Donc voilà, je suis un ancien ingénieur INSA. Je suis très content d'être ici. Ça me fait fortement plaisir de parler de ce sujet de l'entreprise de demain qui sera peut-être éventuellement transformée par la génération Z. On aura l'occasion d'en reparler. Je termine ma présentation là-dessus. Merci. Caroline, tu veux bien prendre la suite? Oui, bonjour à toutes et à tous. Caroline Loisel, je travaille depuis 1997 dans le numérique, donc j'ai quand même eu l'occasion de travailler avec souvent des nouvelles générations. On a tous appris sur le tas, donc voilà. Et depuis 9 ans maintenant, je suis solo entrepreneur. Aujourd'hui, je fais à la fois des conférences, des ateliers, des formations, des événements et je crée des contenus sur le thème du futur du travail. Mais maintenant, je suis plus sur le thème du futur des relations au travail. C'est le principal enjeu. Et la nuance est importante. Et enfin, Jeanne, notre Benjamin. Ah non. Est-ce que tu peux te présenter? Ah non. Non, ouais, je ne suis pas la Benjamin, du coup. Tu n'es pas là. Eh bien, écoute, présente-toi quand même alors. Bonjour à tous, moi c'est Jeanne Deplus, donc j'ai 27 ans, actuellement je suis en reconversion professionnelle avancée, donc à 27 ans puisque j'ai été freelance en marketing pendant 3 ans et là maintenant je me reconvertis dans la transformation du travail et des organisations, je reprends un master en alternance chez Enedis là où je travaille à la transformation managériale.
Et j'ai créé en septembre 2020, il y a un an et demi, le podcast TAF qui va à la rencontre d'entrepreneurs, de RH et d'experts des transformations du travail et des organisations qui font un peu bouger les lignes pour inspirer et passer à l'action dans l'entreprise. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Vous avez pour les participants à ce webinaire, vous avez bien sûr un espace où vous pouvez vous poser toutes vos questions. Audrey, qui est avec nous, gérera l'ensemble des questions et nous interpellera quand il y aura besoin de nous interrompre. On va se lancer tout de suite par la première question. Jeanne, est-ce que tu peux nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui l'entreprise ne répond pas complètement ou des fois même pas du tout aux nouveaux besoins des salariés? Jeanne, tu as ton micro coupé. C'est bon. Du coup, oui, merci pour cette question. Du coup, c'est vrai qu'on observe des tendances qui ont été exacerbées par la crise Covid, mais qui existent déjà dans le monde du travail et de l'entreprise depuis un petit moment maintenant. Et notamment un espèce de déséquilibre qui se creuse, qui grandit entre l'entreprise traditionnelle, son fonctionnement et ce qu'elle offre aux salariés, et les attentes des salariés, nouvelles, mais pas si nouvelles non plus. Et du coup, donc là-dessus, sur le côté entreprise traditionnelle et son fonctionnement, c'est vrai qu'il y a on remarque depuis des années, ça a été accentué par le Covid, une augmentation de la souffrance au travail. On a une explosion ces dernières années avec le Covid du burn-out entre 2020 et 2021, mais ce n'est pas nouveau non plus. On a des difficultés du management. Et ça peut s'expliquer en fait par le fonctionnement de l'entreprise qui ne correspond plus vraiment au monde du travail actuel et aux attentes des salariés. On a en France un vrai manque de flexibilité dans l'organisation du travail, une vraie culture du présentéisme qui considère que on a besoin de contrôler le travail, de voir le travail pour mesurer son efficacité, sa qualité, et qui répond plus vraiment à ce qu'on attend et qui freine un peu le fonctionnement de l'entreprise et la performance. On a aussi le fait que les organisations, et ça a été aussi accentué avec la crise, les organisations sont de plus en plus complexes et elles sont il y a un déséquilibre entre le deal CDI, le CDI n'est plus aussi protecteur qu'avant, et du coup il y a un déséquilibre entre la lourdeur de l'entreprise bureaucratique très silotée, très hiérarchique, etc., et le fait que ça soit assez difficile à vivre, ça correspond plus vraiment en plus au nouveau à l'entreprise de service par exemple, et ça c'est un modèle qui a été construit à l'époque de la révolution industrielle, et la protection du CDI qui n'est plus vraiment le CDI qui n'est plus vraiment un protecteur puisqu'aujourd'hui, à travers les crises, on a quand même plus de chances de ne plus être en CDI, etc. Donc, il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, on a aussi un rapport au travail qui change qui a été beaucoup accentué pendant le Covid. C'est-à-dire que déjà, on a une remise en question de la question de carrière, de la notion de carrière. On n'a plus, socialement, c'est plus autant valorisé de dire qu'on fait carrière pendant 20 ans dans la même entreprise et qu'on monte les échelons. Ce qui va être plus valorisé, c'est d'autres modèles d'entrepreneuriat, d'impact. On va mettre en avant qu'on a un job qui a de l'impact. On va mettre en avant qu'on réussit à mieux équilibrer sa vie pro, sa vie perso, qu'on a plus de temps pour un projet passion ou pour ses enfants, etc. Et donc, moins l'aspect carrière. Et du coup, sur ce sujet de l'équilibre vie pro-vie personnelle, c'est intéressant et je crois que d'autres intervenants vont revenir là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y a quand même un paradoxe qui est assez intéressant, qui est qu'on est actuellement dans, d'un côté, le Covid qui a mis les gens dans une situation où on découvre ce que c'est la vie sans l'entreprise et ça nous plaît bien. Donc, on a envie quand même de profiter de notre vie personnelle et de mieux équilibrer les deux. Et donc, de donner une place moins importante au travail et plus à notre vie personnelle. Donc, d'organiser plutôt le travail autour de la vie personnelle. Et donc, c'est plutôt une tendance à l'individualisation et à quelque chose de plus individualiste qui est que je fais passer ma vie personnelle avant le collectif et mon projet de boulot. Et de l'autre côté, on a quand même une quête de sens et d'un job, d'un alignement profond et total entre son job et ses valeurs personnelles
qui amène plutôt à, à une réduction de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. Puisque si on est aussi, on a un job 100% aligné avec nos aspirations, ben on a envie de se donner à fond et d'être tout le temps dedans, d'arriver à son objectif, sa vision, sa mission, etc. Donc ça, c'est un paradoxe de l'équilibre vie pro-vie perso qui va être assez intéressant, je trouve, à observer. On a quelques conséquences de ces évolutions. Alors, j'ai mis conséquences, mais c'est parfois aussi des causes. Mais on observe quand même ces dernières années une très grande augmentation du travail en freelance. Et les raisons, en fait, qui poussent les talents à devenir indépendants confirment le fait que les entreprises ne correspondent plus, le fonctionnement de l'entreprise ne correspond plus aux attentes des salariés, notamment sur la question de l'autonomie dans son organisation de travail, le choix de son lieu de travail, des pros et plus d'envie aussi de choisir les projets sur lesquels on travaille. Ce qui s'est beaucoup accentué avec la crise, c'est la multiplication des reconversions professionnelles. Et toute cette situation fait qu'il y a aussi une importance grandissante côté RH de l'intégration du processus de recrutement, d'intégration et de sortie du salarié. Parce qu'en fait, vu qu'on a cette notion de carrière qui change, on a une génération Z, Mathias va en reparler, mais on ne va pas pouvoir lui vendre une carrière de 10 ans et monter les échelons, ça ne la fera pas rêver. Donc, il faut lui proposer autre chose. Et dès le recrutement, en fait, il faut présenter des perspectives différentes en fait, à ces jeunes en leur en revoyant, je pense, un petit peu le modèle des parcours professionnels et en ouvrant les choses à l'intérieur de l'entreprise. Si on veut garder les salariés aujourd'hui, il peut leur proposer des parcours qui sont plus ouverts que ce qu'on propose aujourd'hui. Et c'est un véritable enjeu de marque employeur, que ça soit pour attirer les talents, mais surtout les fidéliser. Et c'est un des grands enjeux, je pense, actuellement. C'est plus la fidélisation encore que l'attraction de ces talents. C'est les garder qui va être l'enjeu le plus compliqué. Et enfin, oui, je voulais parler aussi de l'entreprise étendue parce que toutes ces évolutions font qu'on se retrouve avec déjà beaucoup plus de gens qui sont en freelance, mais aussi qui aspirent à d'autres types de statuts comme le CDD, des jeunes qui vont vouloir commencer par un CDD d'un an plutôt que d'accepter un CDI parce que pareil, ils sont dans une vision assez individualiste du travail, ils n'ont pas envie forcément de s'engager dans un collectif. On va avoir aussi des gens qui vont préférer un temps partiel pour garder du temps pour du bénévolat, pour du freelance, etc. Donc, on a plein de statuts qui coexistent et ça, l'entreprise doit créer un collectif de travail intégrant tous ces statuts, absolument. Et arrêter de penser que le collectif de travail et ses enjeux d'engagement des salariés, de bien-être au travail ne concernent que les salariés en CDI puisqu'elle peut réussir à en napper un certain nombre, mais elle ne va pas réussir à tous les convaincre de venir en CDI. Donc, il faut vraiment un enjeu d'entreprise étendue et de prendre en compte tous les statuts. Je vais laisser Mathias poursuivre. Hop, le temps que je trouve le micro et c'est bon, je suis là. Excellente présentation, Jeanne. En fait, je vais revenir sur… Juste Mathias, deux secondes avant de… Je voulais juste dire, Jeanne, j'ai échangé avec un économiste il n'y a pas longtemps qui disait que la grande différence entre ta génération et ma génération, c'est que ma génération, on a accepté une promesse de récompense différée parce qu'il y avait une certaine certitude ou sécurité qui faisait qu'on pouvait l'accepter. Et donc, il y avait un peu serre les dents et puis tu vas aller vers un meilleur job, plus de salaire et peut-être même un jour une retraite. Et aujourd'hui, ces récompenses différées n'étant plus du tout certaines, il y a une vraie rationalité de votre part à vous les jeunes et qui gagne aussi les plus âgés à se dire si je ne suis pas sûre la récompense différée, autant que j'ai du plaisir immédiat, y compris dans l'entreprise. Et c'est un vrai changement de paradigme pour les entreprises. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tout ce qui est aussi protection sociale liée au statut du CDI, notamment les retraites, si on parle de très différé. Je sais que dans ma génération, même jusqu'à 40 ans, personne n'a d'aspiration à avoir une retraite. Enfin, vraiment, c'est un idéal qu'on n'espère pas. Donc, il faut commencer à réfléchir autrement à notre parcours de travail, à voir effectivement du résultat et de la satisfaction immédiate, que ce soit au côté du sens et du plaisir dans le travail, que du côté de la rémunération. Et ce qui pousse aussi les jeunes à partir en freelance parce qu'ils sont sur le moment plus rémunérés, ils font autre chose de leur argent, ils l'investissent dans d'autres choses pour leur future retraite qui n'existera pas et pour prévoir l'avenir autrement. Clairement, et c'est des éléments vraiment à prendre en compte. Merci beaucoup. Donc Mathias, on va poursuivre avec toi et donc tu es plus
En fait, tu es un spécialiste pour autant qu'on peut l'être, parce que ça change beaucoup des millennials. Par rapport à ce que dit Jeanne, où elle est en perception et en constat, est-ce que toi, tu partages ces points de vue dans tes recherches sur les millennials? Carrément, je les partage en quasiment tous. Et aujourd'hui, le chiffre magique, c'est un peu le chiffre 3. Je vais essayer justement d'offrir une clé de lecture de cette génération Z et donc éventuellement peut-être d'une partie de l'entreprise de demain. Parce qu'on le sait, de toute façon, elle ne se fera pas qu'avec la génération Z. Il y a un vrai sujet de rencontre, réussir à mettre en place des pratiques RH ou des pratiques organisationnelles pour rejoindre toute cette génération et les faire travailler ensemble. Donc, chiffre 3. Point de départ aujourd'hui, justement, pour vous expliquer le sujet du fonctionnement de la génération Z. Moi, je suis un fervent défenseur du fait que le sujet des aspirations n'est pas forcément une bonne clé de lecture pour justement parler de ces générations. Parce que justement, pour moi, c'est le fonctionnement qui amène les aspirations. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de revenir sur le sujet du fonctionnement pour qu'on réfléchisse dans un second temps, justement, à quelles sont les aspirations qui en ressortent, même si beaucoup des aspirations sont communes. Moi, j'aime bien prendre l'exemple, par exemple, du télétravail. Pour moi, le télétravail, c'est une aspiration commune. C'est-à-dire pour la génération X, c'est intéressant. Pour la génération X, c'est important. Pour la génération Z, c'est fondamental. Mais l'aspiration, elle est commune à toutes les générations. Ça va être juste une question de proportionnalité dans le besoin d'avoir cette proposition. Donc, génération Z, point de départ, née après 95. Donc aujourd'hui, tous les candidats et collaborateurs nés qui ont moins de 27 ans. Et donc, du coup, je vais prendre trois sujets liés à l'histoire et trois nouveaux rapports. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on va éventuellement pouvoir amener une clé de lecture. Donc, les trois faits historiques, ça va être le fait et l'avènement d'Internet, donc digital native, comme on l'entend beaucoup parler sur cette génération Z, génération alpha, slasher, zoomer. Enfin, il y a plein de termes que vous avez forcément dû entendre. Deuxième sujet, la crise de 2008. Et troisième sujet, alors là ça va être surprenant, mais c'est l'augmentation du nombre de divorces depuis les années 2000. Donc j'y reviendrai dans un second temps. Là vous êtes teasé, on va passer au deuxième sujet qui va être justement ma clé de lecture aujourd'hui, à savoir les nouveaux rapports. Pour moi, cette génération, elle a trois nouveaux rapports et qui vont pour moi être les nouveaux rapports de l'entreprise de demain. Les trois rapports sont les suivants. Donc on a le temps, l'espace et les compétences. La compétence ou la connaissance. Donc la première clé de lecture et qui me permet du coup d'enchaîner sur ce que disait Jade juste avant, c'est le sujet justement du rapport au temps. Et là, je vais prendre l'exemple que vous avez forcément tous, que ce soit un cousin, que ce soit un enfant qui est sur Snapchat, TikTok ou Instagram. Et en fait, il y a un vrai sujet autour justement de ce premier fait que j'utilisais, à savoir l'avènement d'Internet et notamment des réseaux sociaux. C'est qu'on le voit, il y a des chercheurs du CNRS qui ont travaillé sur le sujet. En fait, nous, la génération Z, à travers cette utilisation des réseaux sociaux et d'Internet, fait fonctionner notre cerveau d'une manière très particulière. Pour faire simple, en gros, il y a aujourd'hui, ces plateformes-là ont entraîné une partie de notre cerveau qui est liée du coup à donner des réponses rapides et souvent liée à des zones du cerveau qui sont des zones qui proposent des réponses émotionnelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, la génération Z, scientifiquement parlant, on va souvent donner des réponses plus rapides parce qu'on a créé des automatismes avec le clic. Enfin, je vous explique pas Snapchat, mais vous connaissez, il y a un vrai sujet avec le rapport au temps. Snapchat, c'est une application où du coup, les jeunes ou moins jeunes s'envoient des photos ou des vidéos qui ne sont disponibles et qu'on ne peut lire qu'une fois et qui durent au maximum 10 secondes. Donc, on est vraiment dans cette génération qui a un rapport au temps qui est totalement transformé. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, et c'est un peu la finalité, nous, aujourd'hui, la génération Z, on a besoin d'être stimulé en permanence parce qu'on a été entraîné à ça depuis qu'on est tout petit. Et on prend du plaisir à être aujourd'hui stimulé en permanence. Et ça, c'est un point qui est très, très important. C'est-à-dire qu'on a un peu ce côté aussi de la génération dite émotionnelle qui demande de l'attention et de la reconnaissance. C'est pour ça que, et moi, ça me permet d'enchaîner sur le sujet que soulevait Jeanne tout à l'heure, le mode par projet est un mode qui existe depuis des années mais qui prend tout son sens aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a cette génération qui a besoin d'avoir un retour très rapide sur son travail parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne malheureusement aujourd'hui parce qu'elle a été entraînée, son cerveau a été entraîné d'une certaine façon par les réseaux sociaux de ce fait-là. Et donc, du coup, on se pose la question aujourd'hui et c'est un des sujets qu'on développera dans la partie 4. Je vous invite à rester jusqu'à cette partie où on va justement soulever les cas pratiques qu'on peut proposer aux entreprises. Mais aujourd'hui, voilà, le micro-scellement des tâches et le fait de découper, par exemple, une grosse tâche en une multitude de petites tâches, aujourd'hui, pour un manager, est une bonne solution pour garder un collaborateur de la génération Z engagé. Donc voilà, il y a plein de sujets. On a justement aussi tous les sujets autour de la communication interne. Vu qu'en fait, aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer, ou surtout demain, une entreprise ultra connectée, ou une personne de la génération Z qui a besoin de savoir comment faire, et c'était mon cas il y a très peu longtemps, faire une note de frais, qui est obligé de demander à son manager, mais du coup, va en attendre une réponse quasiment directe
à travers peut-être du coup une messagerie instantanée dans la boîte, va du coup avoir un sujet de frustration s'il n'a pas la réponse directe, et donc il y a un vrai sujet de l'entreprise de demain, mais aussi également, et il y a déjà plein d'entreprises qui le font, de justement travailler énormément le sujet de la communication interne, c'est-à-dire mettre à disposition toutes les informations qui n'ont pas de valeur ajoutée. On n'est pas sur des processus de collaboration, on y reviendra dans un second temps. On est vraiment sur une information pratico-pratique qui pourrait être rangée au bon endroit sur un document ou sur une plateforme, et la personne de la génération Z et les autres générations pourraient avoir accès à cette information de manière quasiment instantanée, et donc du coup à ce moment-là ne pas développer une frustration qui peut être un élément derrière de non-fidélisation, de non-engagement, et du fait éventuellement de se retrouver dans une position où on remet en question le projet et nos missions pour au final des petits éléments qui sont presque et qui pourraient paraître tout bêtes. Et donc là on passe au deuxième sujet et au deuxième rapport qui est pour moi le rapport à l'espace. Donc là je vais tricher un petit peu si vous m'autorisez. Et de toute façon, c'est moi qui choisis aujourd'hui. Je vais prendre le sujet de l'espace comme la nouvelle place du travail dans la vie de la génération Z. Et là, je vais reprendre les deux exemples. Et vous allez me dire, mais pourquoi Mathias, tu dis ça? Mais justement, on a ces deux grands sujets pour moi qui ont été des événements historiques marquants et qui, aujourd'hui, amènent une clé de lecture sur le fait que la génération Z a une nouvelle relation au travail. Donc, les deux sujets, c'est la crise de 2008 et... Donc, les deux sujets, c'est la crise de 2008 et le nombre de divorces qui augmente du coup depuis les années 2000. Donc ça transforme pour moi l'état d'esprit de cette génération Z qu'on a éduqué, et j'en étais le premier, à faire une école d'ingénieur pour avoir un poste assez confortable, éventuellement derrière avoir une famille, être marié, avoir un pavillon en banlieue, avoir une piscine, ce qui fait extrêmement chaud, comme vous pouvez le voir, un peu chaud aujourd'hui, mais ça, c'est les effets de la canicule. Et donc, du coup, les éléments qui en répercutent, c'est justement ce fait qu'on a vu, nous, la génération Z, nos parents ou des personnes de l'âge de nos parents, tout perdre en 2008, perdre leur maison avec la crise des subprimes. Et on a vu nos familles et le sujet qui était pour nous un des éléments fondateurs, justement, de la vie aussi, le mariage, partir en éclat avec ce sujet du divorce. Et donc, du coup, pour moi, c'est deux clés de lecture. C'est des raccourcis, mais pour moi, c'est deux clés de lecture qui permettent justement d'arriver sur les autres sujets. Donc, je ne sais pas si Magali, tu peux passer à la slide en dessous. Moi, j'ai toujours la slide numéro 1. Oh, parfait. C'était déjà celle d'en dessous, c'est bon. Moi, je ne sais pas, à l'écran, j'ai toujours la génération Z. Qui sont-ils? Et moi, d'accord. Je suis à la prochaine. Pardon, excuse-moi. Pas de souci, c'est je moi. Je vais t'écouter avec passion. Et donc, ça fait extrêmement plaisir. C'est les sujets du direct. C'est normal. Et donc, du coup, pour moi, ces deux éléments amènent cette clé de lecture du nouveau rapport du coup au travail, à l'espace et la place qu'a le travail dans notre vie. Avec ce sujet, aujourd'hui, on a interrogé plus de 300 étudiants en école d'ingénieur et de commerce avec Tarento. Et on leur a posé la question, OK, quels sont tes critères de choix aujourd'hui pour rejoindre une entreprise en stage? Et les deux éléments numéro un, parce que pour moi, c'est un package qui sont arrivés, c'est les missions et le secteur d'activité. Donc, en gros, c'est l'entreprise et le projet d'entreprise. Et concrètement, quelles sont les missions que je vais faire? Bien avant la rémunération, la localisation et la possibilité d'embauche derrière. Donc, on revient sur le sujet d'Anne de tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce qui ne va pas vraiment nous stimuler à très court terme et nous faire candidater dans une entreprise, ce n'est pas la possibilité de carrière et la hiérarchie qu'on me propose éventuellement derrière, mais vraiment à très court terme, quelles sont les premières missions, les premiers sujets sur lesquels je vais pouvoir être stimulé. Deuxième sujet, qui est pour moi toujours aussi ce sujet du rapport à l'espace, on le voit, et alors ça, c'est très paradoxal, mais je pense qu'en fait, au final, s'il doit y avoir un résumé de la génération Z, c'est peut-être ça, retenez celui-là, c'est la génération qui est peut-être la plus paradoxale, dans le sens où on est une génération très virtuelle, on est sur les réseaux sociaux en permanence, à faire des vidéos, à envoyer, à nous mettre en avant sur ces plateformes et ces réseaux sociaux, mais par contre, on va avoir un vrai besoin social. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un élément et un paradoxe. On a ce côté donc virtuel, mais en même temps, un vrai besoin de socialisation. On est une génération très sociale. C'est pour ça que moi, alors je comprends, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de généralité les sujets autour du full remote, mais je pense que le bureau restera un élément très important pour cette génération pour lui permettre justement de sociabiliser. Et c'est une génération qui va vraiment avoir besoin de collaborer de par sa dimension sociale. Et donc, on a un vrai enjeu, on y reviendra aussi dans la partie 4. Mais concrètement, comment je fais pour, dans mon entreprise, mettre en place justement, peut-être directement dans ma culture, ce sujet de la culture du partage, donc un espace collaboratif qui va bien plus loin que juste la mise à disposition d'outils. C'est concrètement comment je rentre ce sujet-là dans mes valeurs, dans ma raison d'être, mon projet d'entreprise. Et derrière, en découle des rituels managériaux ou autres
qui me permettent justement de donner un cadre à toutes les générations, parce qu'encore une fois, c'est un sujet de réunion, pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Donc voilà pour ces deux premières petites pistes. Je ne sais pas si Magali, je te vois éventuellement vouloir réagir. Je t'écoute avec grand plaisir. Comme à chaque fois, j'apprends toujours plein de choses, y compris quand je ne suis qu'animatrice d'un webinaire comme celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous nous dites tous les deux, c'est que vous nous avez regardé, nous, la génération d'au-dessus, se prendre un certain nombre de gadins, avoir un certain nombre de déceptions, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Et donc, une des conclusions à laquelle vous êtes arrivée, c'est mieux si c'est équilibré tout de suite, si ça a du sens tout de suite. Et c'est mieux si on ne sacrifie pas trop ni dans un sens ni dans l'autre, parce que finalement, rien n'est vraiment certain, ni sur le perso, ni sur le pro. Est-ce que c'est finalement cette recherche d'équilibre, plus que ce que nous, on a fait, qui vous motive, Jeanne et Mathias ? Je sais pas, Jeanne, si je te laisse, je te laisse la parole, si ça te va. Ouais, je pense que oui, il y a une recherche d'équilibre, c'est vrai, directement. Alors, je ne sais pas si elle est liée, je me questionne beaucoup si elle est, de savoir si elle est liée à notre génération ou à l'évolution de la société en tant que telle, l'émergence de nouveaux sujets, etc., qui fait que tout le monde a un peu envie d'un management plus authentique, de s'éclater dans son job, ça donne envie à tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une question de notre génération. C'est aussi l'accès à l'information, à plein de choses, voir qu'il y a un autre modèle, d'autres modèles de travail qui sont possibles, et notamment dans les pays anglo-saxons, il y a des exemples qui sont un peu, ou dans les pays nordiques, il y a des façons de fonctionner dont on a connaissance et qui sont un peu plus, un peu plus sympas et prenant en compte l'humain que le modèle français classique. Donc du coup, c'est vrai que d'avoir accès à tout ça, bah, ça donne envie et c'est, je pense qu'il y a de ça. Et sur le management plus authentique, je pense qu'effectivement, oui, dans notre génération, il y a quand même une envie de s'éclater, ne pas avoir à jouer un rôle. Et vu qu'on se dit qu'on peut, qu'on a le choix et qu'il y a pas que le travail va être sympa, fun, bah pourquoi pas le faire. Peut-être qu'il y a aussi un peu d'optimisme, d'utopie, enfin voilà, un truc un peu sympa. C'est bien, ça nourrit bien notre réflexion et ça me permet d'avoir une transition très facile pour Caroline. Je crois que Caroline a bien compris comment les attentes, comment les besoins changent. Mais alors finalement, où est-ce que ça coince dans les entreprises ? Parce que tout ça m'a l'air très clair, donc ça devrait être facile à mettre en place, non ? C'est un peu provocateur comme question. Non, mais du coup, tu me pardonnes, Magali, je vais quand même réagir sur ce que j'ai entendu. Bien sûr, je t'en prie. Effectivement, la grande question, c'est qu'est-ce qui relève de la génération, qu'est-ce qui relève de l'époque ? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Le truc qui nous rejoint de façon globale, c'est que quand je vois par exemple... mon fils, 17 ans, qui a besoin de se sentir respecté, y compris par ses professeurs. C'est-à-dire que pour lui, un professeur qui arrive en retard, c'est pas normal, puisque lui, il doit arriver ponctuellement. Quand je pense aussi à tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière marketing, publicitaire, même si on est sur un autre sujet, mais de rapport entre les marques et les consommateurs, c'est exactement la même chose qui est arrivée dans la société. Moi, je pense que ce qui rejoint tout le monde, c'est le fait qu'on a envie de se sentir désormais respecté. Et c'est justement le digital qui a, je pense, permis ça avec la libération de la parole infinie. J'en veux pour preuve la pénurie des talents, y compris dans des métiers liés à la logistique, à la restauration, évidemment aux soins, même à l'éducation nationale, où on sent une volonté à un moment donné juste, justement d'être plus juste. Voilà, que les relations soient plus justes, que les salaires soient plus justes. Donc moi, je dirais que les mots que je retiens aujourd'hui pour cette époque, c'est ça, c'est le côté juste. Et je retiendrai aussi le côté harmonie. Je ne sais pas si je suis complètement adepte de dire on est dans une quête d'individualisation exacerbée. Je ne sais pas si c'est tant l'individualisation que la quête d'une nouvelle harmonie. Vous avez parlé d'équilibre, mais je suis plus en phase avec le mot d'harmonie. En fait, avant, on était dans des visions binaires. Ça, c'est la culture, Aristote, Descartes, voilà. Donc, c'est soit tu travailles, soit tu as une vraie vie perso. je pourrais vous en faire plein des comme ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi, et je pense que ça, c'est grâce effectivement aux nouvelles générations, et puis à tout ce qui se passe dans le monde aussi, à tous les événements extérieurs, c'est qu'on essaye un peu plus de s'ouvrir, d'être un peu plus dans la nuance de tout ça, dans une recherche plus de discernement, et donc de voir les sujets d'un point de vue beaucoup plus systémique. Donc pour moi, ce n'est pas tant le côté individuel que se dire, attends, au global, quoi. Au global, c'est quoi mon équilibre et mon harmonie ? Et de façon encore un peu plus générale, et après je donnerai des vrais exemples dans des entreprises, je trouve que, c'est pas je trouve, en fait, il est dit,
qu'on est passé d'un 20e siècle, siècle des experts, siècle des sachants. Je reprends l'exemple de mon professeur, mais je pourrais vous faire pareil avec n'importe quel médecin, puisqu'aujourd'hui, on a accès à plein d'informations. Donc, on peut aller tout challenger. Siècle donc, des experts et des sachants à un siècle des apprenants. Ça change complètement le rapport et les relations entre les gens. Ça veut dire qu'en gros, on n'est plus non plus dans l'ambition d'un pouvoir absolu. Aujourd'hui, même si vous avez 50 ans dans une entreprise, un stagiaire, un alternant peut vous apprendre des choses, évidemment. Et même sur les sujets que vous maîtrisez, il peut en savoir plus que vous parce que tout est accessible. Donc, on n'est plus dans cette ambition du pouvoir. Pour moi, la vraie ambition nouvelle aujourd'hui, ça serait l'ambition d'apprendre et qui est beaucoup plus, du coup, équilibrée, harmonieuse. Et si tous, on est dans cette quête, je pense que les relations, elles seront plus sereines, saines et constructives. J'aime beaucoup ce terme d'harmonie, voilà. Et on y reviendra dans la dernière partie. Mais alors, donc je pense qu'on partage vraiment, on a une vision très partagée tous les quatre. Mais alors, ça coince où, Caroline, si tout le monde est d'accord? Alors, ça coince où? Ça coince sur toutes les réticences internes. Et puis, surtout, en fait, on doit déconstruire. Je vais prendre un mot qui est à la mode, mais tu dois désapprendre. En fait, le plus dur dans apprendre des nouvelles façons de faire, c'est pas d'apprendre, c'est de chasser les réflexes, chasser les idées anciennes. C'est ce que dit Keynes, hein, j'ai rien inventé. Et donc ça veut dire désapprendre, déconstruire des modèles dans lesquels on a baigné. Parce que regarde, toi comme moi, je pense que quand même, à l'école, tu étais un peu plus que mon fils, je pense. On se sentait un petit peu en dessous quand même, tu vois. Enfin, et on les sentait au-dessus un peu, nos enseignants et nos profs. Mais ils étaient même sur une estrade, hein. On est voilà, tu vois. Et ça, c'est des imageries même d'antan, effectivement, en noir et blanc, tu fais bien de parler de l'estrade. Et puis aussi, tu vois, peut-être ce comportement un peu de bon petit soldat. Alors, j'ai toujours peur du côté un peu entre soi, côté parisien, classe supérieure. Mais quand je vois ce qui se passe aussi dans les secteurs que j'ai cités tout à l'heure, enfin, je discute beaucoup avec pas mal de DRH de différents secteurs. On sent bien que même sur ces métiers pénibles, les personnes n'ont plus envie, enfin, si tant est qu'elles puissent avoir le pouvoir de faire autrement, mais en tout, elles ont envie d'avoir des relations respectueuses et d'être, que ce soit juste. Voilà. Donc, pour se sortir de tout ça et donner des exemples, donc du coup, ce qu'elle... Alors, Jeanne veut nous dire quelque chose. C'est bien, on est rentré dans la partie débat, mais c'est la preuve de la réussite d'un webinaire, ça, quand on commence à interagir. J'aimerais juste rebondir avant d'oublier sur une chose que tu disais, là, Caroline, que je trouve très intéressante, sur la relation prof-élève. Parce que moi, quand tu en as parlé, là, je me suis dit, moi, j'ai 27 ans, mais j'avais encore cette impression-là quand j'étais à l'école de cette relation prof-élève et de supériorité, hein, à ma génération aussi, Mathias, je ne sais pas, mais je pense aussi, hein, on a toujours ça. Et ça me fait penser à vraiment l'importance de souligner le rôle de l'école et de transformer les rapports à l'école pour construire les entreprises de demain et les futurs salariés de demain. C'est qu'il faut qu'on change nos entreprises, mais avant tout, pour les prochains, ceux qui ne sont pas encore dans les entreprises, il faut qu'on les forme d'une façon différente, avec des relations différentes et que ces relations-là changent. Et ça sera la façon la plus simple de former, enfin d'avoir des entreprises de demain qui sont différentes avec les salariés qui ne sont pas encore construits dans les entreprises actuelles. Et là, il y a un vrai sujet. Je suis d'accord, mais ça va être un autre webinaire parce que alors là, il y a un sujet d'une profondeur. Bien sûr. Ouais, mais c'est un autre sujet. Je rebondis quand même ce que tu dis, Jeanne, pour préciser ma pensée. Effectivement, tu as eu cette sensation. Mon fils a cette sensation toujours d'être inférieur. Mmh. En revanche, il n'est pas d'accord. Et il le dit. Mmh. Tu vois? Alors, il ne le dit pas forcément au prof, mais il le dit à ses parents. Moi, jamais j'ai dit des trucs comme ça à mes parents. Ils en parlent entre eux. Donc, si tu veux, tu as quand même, tu vois, un premier niveau de conscientisation de « mais on n'a pas envie que les choses elles soient comme ça et que le monde s'organise comme ça ». Et pour rebondir sur ce que dit Delphine, je crois, sur le côté « mais c'est un sachant » ou Jérôme. Oui, justement. C'est comment on passe, tu vois, si je réponds du coup à la question de Magali, c'est le changement de paradigme en fait. Comment du statut de sachant, on passe tous à des statuts d'apprenant. Et ça vient frotter quoi? Ça vient frotter l'ego et le pouvoir. Parce que jusqu'à maintenant, le pouvoir, il était lié à ta connaissance, il était lié à ton diplôme, il était lié à ton expertise. Donc voilà. Alors, pour donner quand même quelques exemples concrets, je vais juste vous partager peut-être… j'ai encore un peu de temps, Magali? Écoute, tu as encore 4-5 minutes pour nous parler de la partie tête-corps-cœur. Voilà, exactement. Parce que
Voilà, pour enchaîner juste, le fait de se dire, pareil, de cette injonction, il faut que les collaborateurs soient engagés, ben moi je dis, balayons d'abord devant notre porte, et en quoi, en tant qu'organisation et entreprise, nous sommes nous-mêmes engagés. Et là, je m'appuie sur les sciences de l'apprentissage, qui ont cette démarche tête, corps, cœur, pour apprendre. Donc, si je l'ai posé, c'est un truc qui est en cours, hein, c'est work in progress. Donc, la raison, c'est le côté vision business, le côté résilience. Je peux vous donner l'exemple de Decathlon, qui en ce moment est quand même en train d'expérimenter un modèle de location par abonnement de matériel sportif. Ça, c'est de la résilience, et ça, c'est de la raison, et c'est d'un point de vue business. Je dirais qu'au niveau du corps, c'est le côté action. Donc, le mouvement vers la modernité du futur du travail. Gros sujet tabou, l'évolution des compétences, la disparition des métiers. Ça, mais ça, il faut le mettre sur la table. Je peux vous donner l'exemple de Pierre Fabre, qui a fait une Skills Week, donc semaine des compétences, partout dans le monde, 11 000 collaborateurs, y compris dans les usines, y compris avec des équipes de nuit, pour mettre le sujet sur la table, faire des ateliers thématiques, montrer à travers des témoignages comment ça se passe, l'accompagnement pour des métiers qui vont potentiellement disparaître. Mais on en parle. Et puis le côté relation, donc là, le côté cœur, qualité des interactions, saine, sereine et constructive. Je peux vous citer l'exemple d'Yves Rocher, vous retrouverez un webinaire que j'avais fait pour Indeed sur l'intelligence émotionnelle et le leadership, où Yves Rocher, depuis 20 ans, parce que c'est dans leur ADN, a mis l'intelligence émotionnelle au cœur de son modèle de management et de leadership. Ça veut dire que les managers, ils ne sont pas tant évalués pour leur capacité à réaliser des chiffres et des beaux reportings et des indicateurs atteints, mais pour leur capacité à faire grandir leurs équipes. Et ça, de ton point de vue, c'est la bonne façon de pouvoir démarrer une démarche qui va répondre aux nouveaux besoins des salariés. Je trouve que, en tous les cas, moi, ça m'inspire plus qu'il faut engager les collaborateurs, comment créer les conditions de l'engagement. Je trouve qu'une démarche englobante, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce schéma, tête, corps, cœur, il est beaucoup plus, pour le coup, impliquant, engageant pour l'organisation. Et j'invite les entreprises à d'abord réfléchir sur elles-mêmes. Hein, parce qu'une relation, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord ce qu'on donne ou ce qu'on en attend? Aux dernières nouvelles, c'est d'abord ce qu'on donne. Et ce qu'on est prêt à engager. Je n'ai rien inventé, hein, c'est Marcel Mauss, don et contre-don. Voilà. Et parce que nous ne sommes pas que dans une relation de transaction, n'est-ce pas, entre employeur et employé. Sinon, quand même, ça serait un petit peu dommage, tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, ce que je voulais juste vous livrer aujourd'hui, c'est l'entreprise pour moi demain qui s'engage avec la tête, le corps et le cœur, je vous ai donné quelques exemples. C'est une entreprise qui s'investit dans une mission qui est plus grande qu'elle. Bon, pour moi, le grand exemple, c'est évidemment la Maïf avec Pascal Demurger et son livre « L'entreprise politique du 21e siècle sera ainsi ou ne sera plus ». Et derrière l'entreprise politique, vous avez tout, hein. Participer à la vie de la cité, y contribuer, en être acteur. Une entreprise ouverte à toutes les formes de rapport au travail. On en a parlé tout à l'heure, hein. Même un CDI, mais un CDI avec des missions à côté, un CDI qui te permet d'avoir 10% de ton temps dédié à des associations, c'est ce que fait Salesforce. Et une entreprise qui entretient des relations plus justes et plus vraies. Donc en fait, vous êtes collectivement d'accord pour dire que tout ça, en fait, on va y arriver s'il y a de l'authenticité plus fortement dans l'entreprise et de l'alignement entre ce qui est dit et ce qui est fait, en fait. On revient beaucoup au sujet, Mathias a parlé d'authenticité, je crois que Jeanne en a parlé aussi, et finalement, toi, ce que tu dis, c'est si on fait les choses de façon alignée, alors on pourra commencer une vraie démarche et on ira vers la réponse aux besoins et non pas vers la recherche. Et je te rejoins vers cette recherche de l'engagement qui, quelque part, a un côté encore un peu très capitaliste, c'est-à-dire plus engagé, donc plus productif, donc je les garde, donc ils ne démissionnent pas. Et toi, quand tu parles de mots, c'est de dons et contre-don, tu dis il va falloir commencer par montrer son jeu et montrer ce qu'on veut et vers où on va pour qu'il y ait une réponse et que justement, on ait des retours positifs sur des actions qui vont être menées. Chez Yves Rocher, par exemple, oui, le fait qu'il capitalise sur l'intelligence émotionnelle depuis longtemps, ça donne quoi comme point positif, en fait, ou ça leur apporte quoi? Est-ce qu'ils savent voir ce que ça fait de mieux, en fait, pour eux? Déjà, si tu veux, le fait d'être évalué non pas sur des chiffres, mais sur des relations et la qualité, déjà, ça change, ne serait-ce même que la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que tu sais que tu n'es pas que dans une entité business, tu appartiens d'abord à une entité et à un collectif humain, et que l'organisation, c'est avant tout des jeux, G-E, et des jeux J-E-U-X de relations. Et ces jeux
et je vont bien se passer et bien se dérouler, si ça se déroule bien, ça ne veut pas dire qu'on ne s'engueule pas et qu'on est toujours d'accord. Hein. Ce n'est pas ça. Mais créer du conflit positif, des tensions positives, oui. Voilà. Et c'est toutes les techniques après de facilitation d'intelligence collective. Et qu'en tant que manager, tu n'es pas là pour délivrer ton savoir et décider seul, mais tu es là pour te dire, OK, à partir de mon collectif que j'ai, comment on atteint le cap qui a quand même été défini par l'entreprise. C'est évidemment, il y a quand même des choses qui sont ancrées avec un cadre, mais comment à l'intérieur de ce cadre, tu atteins les résultats en co-définissant les moyens, les investissements et les efforts avec ton équipe, et même les idées d'action. Alors, on a promis à nos participants qu'il y aurait une partie un peu plus concrète qui se nourrirait de vos expertises. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme premières actions qui pourraient être rapides pour les DRH et pour les entreprises et qui vont permettre d'atteindre l'objectif qui est quand même d'attirer et de retenir les talents. C'est-à-dire qu'on fait aussi tout ça pour être sûr d'avoir les bonnes équipes et qu'elles restent. Qui veut se lancer avec une première idée de ce qu'on peut essayer ou proposer aux entreprises d'essayer sur ces sujets-là? Moi, je peux vous rajouter l'exemple d'un programme d'onboarding, parce que pour planter une relation, vous savez, c'est l'image du clou, il faut déjà qu'il soit bien planté. Un programme d'onboarding 100% orienté valeur, avec un S sur les valeurs de l'entreprise, qui est fait chez Inotera. Inotera, c'est une ETI, 1500 salariés, qui est présente dans plusieurs pays du monde, qui est plutôt dans tout ce qui est laboratoire, médicaments. C'est le DRH himself qui, toutes les 6 semaines, anime ce programme de 2 jours. Le président directeur général de l'entreprise y est, lui, 2 heures. Et ce que vous trouvez à l'intérieur de ce parcours, un, il est resté secret, mais en fait, il s'appuie sur des méthodes canadiennes innovantes qui mélange à la fois le côté ludique, si je synthétise, et le côté philosophique. Et comment chacun va interpréter les valeurs, va se les approprier. On leur fait écrire, par exemple, un article, un communiqué de presse sur pourquoi telle valeur, par exemple l'audace, est incarnée, comment elle se vit. Il y a évidemment des jeux de construction collective pour voir un peu comment on se comporte dans un groupe. Donc voilà, vraiment toutes sortes, on est beaucoup plus sur les soft skills que sur du hard skills. Il y a une légère présentation d'une heure au démarrage, mais un programme 100% valeur pour ancrer une culture, tourner vers l'incarnation des comportements, l'incarnation des valeurs par les comportements, je trouve ça intéressant. Et Mathias, toi, autour des sujets de l'entreprise libérée, est-ce que c'est des sujets qui peuvent avoir du sens ou est-ce que c'est du gadget, ce sujet-là? Moi, j'ai pu entendre des dirigeants plus quinquagénaires considérer le truc comme étant très gadget. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça peut être une option? Tu peux juste préciser l'entreprise libérée pour toi, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que c'est clair que je trouve qu'il y a plusieurs définitions. Mais... Alors, soit tu vas vraiment à l'extrême et la définition du créateur, en tout cas de celui qui a promulgué le terme qui est gate, c'est donc zéro règle et une espèce d'autogestion. Moi, j'irai vers quelque chose peut-être d'un peu plus réaliste ou d'un peu plus pragmatique, qui serait une entreprise. On vient de dire finalement, c'est plus les vieux qui apprennent aux jeunes. L'équilibre, c'est aussi un sujet d'harmonie. En fait, vous voulez du mode projet. Si tu assembles tout ça, ça doit faire une entreprise où il y a moins de carcan. Pour moi, peut-être déjà la première étape de l'entreprise libérée, ça serait une entreprise où on aurait plus de liberté de prendre la parole, d'être en transverse, d'intervenir sur des projets qui ne sont pas directement reliés à son activité à soi, de pouvoir aller jouer dans la cour de récréation d'autres et pas rester juste sur son périmètre. C'est comme ça que je le verrais. Ouais, si on essaye de donner un ensemble justement de petits éléments qui peuvent paraître bêtes, mais justement qui rejoignent ces sujets-là. Donc, il y avait le sujet tout à l'heure, bien évidemment, du manager. On dit, voilà, le manager demain sera un peu le manager leader et non plus le manager chef. Donc, il y a un vrai sujet de formation, justement, aujourd'hui, des managers. Je pense que c'est un sujet qui prend du temps. Et donc, du coup, il faut le démarrer dès maintenant pour que l'entreprise se sente mieux demain. Le sujet notamment et j'en parlais avec un dirigeant d'une boîte du CAC 40 très récemment, d'essayer de supprimer quelques niveaux hiérarchiques, essayer de se poser la question si voilà, est-ce qu'il n'y a pas certains niveaux hiérarchiques que je peux supprimer? Et ça peut passer aussi par un sujet très pratico-pratique. Est-ce que je peux mettre en interne
des outils, notamment des messageries instantanées, alors qu'ils ne doivent pas, et justement, je dis attention tout de suite, je suis d'accord qu'il ne faut pas ultra communiquer, que ça peut avoir des côtés négatifs, mais voilà, se poser la question de, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup trop d'informations qui passent par mail, et on le sait, que ce soit pour la génération Z, et je pense pour toutes les autres générations, on est habitué maintenant à travailler sous un format de messagerie instantanée, et je pense que ça, c'est lié à la hiérarchie, je trouve, ce sujet du mail et d'essayer de basculer tout ça en mettant en place notamment des messageries instantanées pour terminer. Donc, c'est un peu une évidence, mais voilà, de travailler notamment sur les sujets du télétravail. Je ne sais pas si, Jeanne, tu voulais aborder le sujet derrière, mais je pense que voilà, c'est aujourd'hui primordial dans les critères de choix d'une entreprise. Ça ne veut pas dire voilà, être en full remote demain, mais d'autoriser peut-être 1 à 2 jours de télétravail. Aujourd'hui, pour moi, ça devient la bonne idée que tout le monde commence à connaître, mais je préfère quand même le repréciser aujourd'hui. Donc, en fait, toi, ce que tu dis, c'est la libération, c'est de donner plus d'autorisation, en fait, que ce qu'il y en a aujourd'hui dans les entreprises. Ouais, et je pense qu'il y a un sujet de compréhension, et je terminerai avec ça. Je pense que le meilleur moyen aujourd'hui d'accompagner la transition vers l'entreprise de demain, c'est de permettre à toutes les générations de se rencontrer. Et donc, un très bon exemple pour moi, et un sujet qui est très mal développé aujourd'hui dans une grande majorité des entreprises, sujet sur lequel, forcément, on essaye d'intervenir chez Tarento, c'est les relations écoles. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur moyen, c'est d'envoyer tous les managers. Alors, bien évidemment, il y a des sujets de temps et autres, mais il faut envoyer les managers dans les écoles pour qu'ils puissent être au contact, partager leur expérience, parce qu'il y a un vrai sujet, je pense que, et nous, c'est un gros travail qu'on doit faire aussi chez Tarento, essayer justement de travailler sur cette réunion en allant aussi beaucoup présenter quelles étaient les aspirations, quelles sont les aspirations, quels étaient les modes de fonctionnement des autres générations dans les années précédentes, qui permet justement, avec cette meilleure compréhension des deux côtés. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, je vais le donner très directement, c'est justement sur TikTok, sensibiliser la génération Z sur pourquoi aujourd'hui les autres générations et l'entreprise fonctionnent comme ça, pour justement amener une transition vers l'entreprise demain. Et de l'autre côté, à travers les relations écoles, envoyer des collaborateurs dans les écoles auprès de ces nouvelles générations pour pareil, s'enrichir et peut-être derrière, je l'espère, mieux se comprendre. Ouais, ça, c'est une idée très concrète. C'est-à-dire, c'est de dire que quelque part, dans une fonction RH, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit en responsabilité de faire en sorte que la strate managériale de l'entreprise soit en interaction régulière en fait, avec les écoles d'où viennent les candidats, à la fois pour mieux comprendre et aussi on pourrait être dans une idée pour attirer aussi. Exactement, ça c'est un vrai levier d'attraction. C'est vrai que je ne le développais pas sous ce format-là, mais en gros, pour être très pratico-pratique, alors avoir une personne en interne qui s'occupe de développer un projet, de créer un petit groupe de collaborateurs qui sont prêts à s'investir sur ce sujet-là. Donc on crée un groupe de collaborateurs, on les sensibilise, on leur donne les outils pour derrière aller intervenir soit dans la pédagogie, soit sur des forums ou autres dans les écoles. De manière très pratico-pratique, ça donne ça à mettre en place dès demain. Dans les idées que moi je vois beaucoup circuler en ce moment, mais peut-être Jeanne, là-dessus, tu as toi un point de vue, c'est d'être capable d'être reconnue dans son travail et donc d'être capable d'avoir des entreprises qui pratiquent le feedback avec authenticité, empathie et assertivité, c'est-à-dire pas un feedback qui humilie ou qui casse, pas un feedback qui dit rien jusqu'au jour où on dit oh, bah, finalement ça va plus du tout, mais un vrai feedback. Est-ce que tu penses que ça, c'est de nature à contribuer à attirer et retenir les talents ? Ah ben, je pense que oui, c'est vraiment… Alors, le sujet du feedback, il n'est pas nouveau, mais il est très compliqué parce qu'on n'est pas habitué, personne n'est habitué à faire du feedback. C'est assez difficile. Si c'est un feedback constructif, mais dans un but d'améliorer, ça ne fait pas plaisir. On n'est pas à l'aise dans ce mode de communication. Donc, et c'est un sujet pourtant qui a énormément d'intérêt quand il est mis en place de façon et qu'il est accompagné. Parce que, comme tu l'évoquais, il a cette fonction de reconnaissance qui rejoint beaucoup d'idées dont on vient de parler, et notamment la nouvelle génération, mais toutes les générations ont besoin de reconnaissance. On est dans une société qui manque de reconnaissance de façon générale. Donc, le fait que ton manager ou un pair prenne le temps de faire un feedback constructif, et ça s'apprend, il y a une démarche, je ne suis pas la spécialiste, mais il y a plein d'experts de ce sujet-là qui apprennent, qui accompagnent pour savoir faire du feedback, ça donne de la reconnaissance aux gens qui le reçoivent et qui après peuvent s'en servir. C'est aussi le feedback un outil vraiment de performance, puisque ça fait comprendre à tout le monde pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. C'est vraiment comprendre l'interférence qu'il y a entre l'action, la situation et le résultat, qu'il soit positif ou négatif, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut reproduire ou pas ce qu'on fait. Donc, au-delà du bien-être et de l'épanouissement du collaborateur, c'est un vrai outil de performance et c'est comme ça qu'il faut le présenter pour faire passer des investissements sur cet accompagnement managérial qui est hyper important.
Et en plus, le feedback permet, il agit beaucoup et il accompagne aussi des points qu'on a vus et que vous avez évoqués, qui sont l'autonomie, la responsabilisation, qui sont des points aussi, l'intérêt et des points de l'entreprise, d'organisation qui sont plus libérés aujourd'hui. C'est qu'on dit à des collaborateurs autonomes, responsabilisés, s'épanouissent mieux, sont plus efficaces, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a aussi un autre outil qui peut permettre aux RH, et j'ai observé des entreprises qui m'ont raconté comment ils l'avaient fait, et c'est vraiment très concret et très faisable, pour favoriser l'autonomie et la responsabilisation des salariés et des équipes, c'est de structurer différemment les objectifs. Il y a la méthode des OKR, qui est la méthode de Google pour structurer ses objectifs, objectifs qui résultent, qui, alors on n'aura pas le temps de la développer aujourd'hui, allez voir, vous tapez OKR sur Google, Magali pourra peut-être vous transmettre aussi des ressources, mais c'est une façon qui permet de clarifier un petit peu le rôle de chacun et qui permet de manager sur objectif et non pas sur la présence au travail, sur le temps effectif de travail qui n'a plus de sens aujourd'hui, on l'a vu avec le télétravail, et qui permet du coup de manager sur autre chose, de développer la confiance, et voilà, ce management sur objectif est vraiment pour moi la clé de l'entreprise de demain. Et j'avais un autre point, oui, qui est très lié aussi à ça. Et l'exemple d'Yves Rocher est très intéressant et pour moi un exemple vraiment à suivre sur ce côté-là, c'est de lier les objectifs des équipes et des managers à l'évaluation des compétences comportementales, intelligence émotionnelle, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore à un stade peu avancé et dans lesquels les managers se retrouvent dans des injonctions paradoxales entre mettez de l'énergie dans l'humain, il faut de l'humain, il faut de l'émotionnel, prenez le temps pour être avec vos équipes, les accompagner, personnaliser les relations, etc. Mais à côté de ça, ils n'ont pas le temps et ils ne sont pas évalués là-dessus. Il n'y a aucune reconnaissance de ces compétences-là et du développement de ces compétences. Donc, il faut remettre de la cohérence entre la rémunération, les primes sur objectifs, etc. et l'évaluation de ces compétences. Et ça et pour ça, l'exemple des brochets est un super exemple à suivre absolument, je trouve. Donc, voilà. Merci et je partage. Donc, ça fait déjà trois pistes. Hein, plus mixer l'intergénérationnel avec les écoles, avoir un vrai travail sur le feedback qui, pour moi, sera très contributif de nourrir la valeur authenticité. Hein, parce que quand on fait des vrais feedbacks, ça veut dire qu'on arrive dans une relation plus authentique. Je partage complètement sur les OKR. Arrêtons de penser qu'on paye du temps passé, mais considérons que les salariés sont payés pour des objectifs atteints et ça va alléger et libérer beaucoup de choses. Caroline, dans ce que tu nous as dit tout à l'heure, moi, il y a quelque chose, je suis toujours très épatée par l'ampleur du non-dit dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est un peu vraiment l'éléphant dans la pièce. Si personne n'en parle, ça n'existera pas. Et dans ce que tu racontes sur le cas Pierre Fabre, est-ce qu'on n'est pas justement dans un cas où tout le monde sait qu'il y a le sujet, mais enfin, il est partagé. Et donc, ça a à la fois un effet sur la vision compétence, mais est-ce que ça n'a pas aussi un effet sur la culture, sur la confiance des salariés vis-à-vis du management, qu'on puisse dire les choses et les poser sur la table? Oui, et quelque part, franchement, j'en veux pas aux managers et manageuses, hein, je les admire en ce moment, ouais, la situation globale du pays et du monde. Ouais. Quelque part, j'admire tout le monde, j'admire chacun d'entre nous en ce moment. Comment tu gardes vitalité, joie et bonne humeur et confiance dans ce monde instable? Voilà. Et pour revenir effectivement au sujet que tu soulèves, je comprends des managers et des manageuses qui veulent pas aller sur ce sujet, parce que quand tu traites ce sujet, tu traites toi, tu te mets en danger. Si ton équipe, tu sais très bien que dans 5 ans, ça va tout être bousculé, tu deviens quoi, toi? Donc, si l'organisation, les DRH, le COMEX ne décident pas de prendre ce sujet en disant « Attendez, on va poser le sujet, en fait. » Et je trouve que, tu vois, l'expérience de Pierre Fabre, elle est franchement notable, parce que faire ça sur 11 000 salariés, y compris dans les usines, y compris pour les équipes de nuit, c'est vraiment dire « On en parle, il y a des choses qu'on ne sait pas. » En tous les cas, ce qu'on sait, on va déjà vous le partager. Il y a déjà des métiers qui ont changé depuis 5 ans. Donc, vous voyez bien que, voilà, on sait le faire et on vous accompagne. On ne va pas vous laisser perdant là-dessus. Et que le rôle, notre rôle, et c'est ça qui est dit finalement, c'est parlons-en, ce n'est plus un sujet qui doit être tabou et on vous accompagne dans le maintien de votre employabilité. Ce qui est quand même une responsabilité de l'entreprise aujourd'hui qui est quand même largement assumée. On n'est plus juste un employeur qui prend son salarié et genre t'es un pion, puis quand j'ai plus besoin de toi, c'est fini. Donc avec évidemment toute la logique aussi d'entreprise à mission de façon générale, mais première mission déjà sociétale, au-delà du côté économique.
de dire vraiment, on vous accompagne sur ce sujet, donc on en parle. Et peut-être que ça se finira par une sortie, peut-être, mais une sortie accompagnée. Une sortie où on se dit, c'est plus possible et tu n'as pas envie d'évoluer vers la tech, d'évoluer vers la data, d'évoluer vers du pilotage de drones, tu vois, je ne sais rien, ou du pilotage de machines, parce que c'est ça qui va se passer. Hein. Demain, tu as des exosquelettes, voilà. Si vous êtes allé sur VivaTech la semaine dernière, la robotique, la cobotique, etc. Mais il y a peut-être des personnes qui vont se dire, mais non, mais en fait, je n'ai pas envie, moi. Ce n'est pas ce qui me plaisait dans mon métier. Donc, à ce moment-là, comment on t'accompagne dans une reconversion? Et ça, je pense que hier, j'intervenais dans une entreprise où devant un COMEX et où les membres du COMEX disaient, mais on ne peut pas dire ça au directeur parce qu'on n'a pas la réponse. Et leur DG a dit, si on a des questions et on n'a pas la réponse, on leur dira, on entend la question et on travaille à la réponse. Et on vous la donnera dès qu'on l'aura. Et je pense que c'est... On n'a pas la réponse. Non, c'est beaucoup plus rassurant que le non-dit, en fait. Parce que ça montre complètement. Que moi, on est work in progress. Ben oui. De toute façon, aujourd'hui, je vais te dire, ce qui est suspect, c'est de dire qu'on a la réponse sur tout. Ça, c'est sûr. Ou de, ça, faire, c'est comme si pas, ou de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Oui, non, ça, je crois que personne n'y croit plus. Et je trouve que aussi sur ce sujet-là de la sortie, c'est un gros intérêt pour les entreprises au niveau marque employeur également, parce qu'aujourd'hui, on voit des boîtes qui accompagnent les salariés et dont on est fier de sortir. On dit, les gens marquent sur LinkedIn, je suis sortie de Doctolib, je suis sortie ex-Doctolib. Il y a ce genre de mentions maintenant qui apparaissent, ex-Google, machin. Et donc, c'est des entreprises qui ont permis un développement des compétences, de monter leurs salariés, qui accompagnent les salariés. Ça se sait et on sait quand on sort de ces entreprises, c'est des machines et donc on a envie de les rejoindre aussi. Donc, ça a aussi un intérêt très, très intéressant en termes de marque employeur d'accompagner ces sorties et que ça se sait. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, tout se sait, hein, les pratiques de recrutement, de sortie, etc. Les gens communiquent beaucoup. Et donc, du coup, c'est toujours impactant ce qui peut se passer à l'entrée, la sortie, les pratiques RH ont intérêt à évoluer dans le bon sens parce qu'elles sont connues de tous et ça circule très, très vite. Donc, si je transformais ça en proposition d'action concrète, Jeanne, on pourrait dire qu'une action qui pourrait être assez rapide, c'est qu'un DRH crée un groupe de travail mixte au sens intergénérationnel, même si ce n'est pas mon mot préféré, mais quand même, et qui travaillerait à l'onboarding et à l'offboarding. Des nouveaux arrivants. C'est des sujets sur lesquels moi j'ai travaillé des experts il n'y a pas longtemps et c'est un vrai sujet, encore plus avec le travail hybride. Mais je regarde l'heure et je pense qu'Audrey va pas tarder à me faire signe. Audrey, on a des questions parce que là tu vois, on peut être parti encore, je pense, une bonne heure, mais peut-être qu'il faut qu'on essaie de répondre à quelques questions. Oui, on a des questions du chat. Alors, Caroline a un peu répondu, mais je ne sais pas si les gens du chat ont accès aux réponses. Donc, on a déjà une première question du chat qui rebondissait sur ce que vous disiez pour la partie solution. Est-ce que vous n'avez pas peur que la génération Z, comme vous le rappelez, ne s'essouffle pas avec le rythme que vous mettez en lumière? C'est-à-dire qu'ils finissent fatigués? Oui. Je vais peut-être laisser Mathias répondre parce que c'est le spécialiste de cette génération, mais je pense que non, au contraire, ça va vers plus d'équilibre, hein, comme ce qu'on a dit, ou d'harmonie, comme disait Caroline, mais il y a un vrai souci de se préserver et de mieux équilibrer les deux et de ne pas tout donner justement pour le travail. Et donc ça, je pense que ça préserve un petit peu ce risque-là de s'essouffler. Après, c'est vrai qu'il faut des garde-fous. C'est-à-dire que, par exemple, sur les pratiques, c'est une bonne question parce que sur les pratiques de transformation et d'organisation comme les congés illimités, c'est une pratique sur laquelle il faut mettre des garde-fous parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en charge de surveiller que les gens prennent bien ces congés-là et qu'ils ne sont pas si passionnés par leur mission et si investis qu'ils n'en prennent plus. Généralement, ce n'est pas le cas, mais ça peut arriver. Donc, c'est vrai que la flexibilisation comme ça du temps de travail, etc., doit être quand même protégée par des garde-fous et qu'il y ait quand même une surveillance dans l'entreprise. 100% d'accord. C'est un sujet d'intensité et donc du coup, il faudra mettre… c'est une génération qui a justement envie de trouver un équilibre et qui peut donner beaucoup d'intensité dans son travail quand la mission porte la mission. Et donc du coup, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Jeanne, c'est quand même… éventuellement une piste sur laquelle il faudra peut-être mettre des garde-fous. Je rajouterais
Je rajouterai avec toujours mon exemple de 17 ans et demi, là. Mais même ce que je peux constater, mais même chez nous, hein, même à 47 ans et demi, on a quand même tous des soucis de concentration qui sont arrivés, hein, avec tous ces outils merveilleux qui clignotent et qui notifient toutes les 5 minutes. Et on se dit, ah tiens, ça va me détendre 2 minutes. Ouais. Enfin, pendant ce temps-là, après, tu remets 10 minutes à te concentrer sur le dossier que tu es en train de faire. Donc, c'est compliqué. Donc, je pense qu'une sensibilisation via les neurosciences ne ferait pas défaut. Parce que la fameuse idée fausse, nous sommes multitâches. Non, ce ne sont pas que les femmes d'ailleurs, mais en fait, ni les femmes ni les hommes ne sont multitâches en fait. Hein, nos cerveaux ne sont pas multitâches. Tu ne peux pas en même temps suivre un Zoom. Si là, par exemple, vous êtes en train de répondre à un email, il y a une information que vous allez perdre. Alors, soit votre email, il ne prendra pas les bonnes formes qu'il aurait fallu prendre, soit vous avez loupé une information très importante que nous avons dit dans ce webinaire. Non, absolument. Une dernière question, je regarde l'heure et je veux mettre personne en retard. Une dernière question, Audrey, avant qu'on conclue. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que ce n'est pas trop clivant de toujours raisonner par génération? C'est une question de Jérôme Le Pelletier. Moi, je pense qu'on l'a dit, je pense qu'on a posé la question de l'époque et de l'âge. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai managé des équipes importantes dans des grands groupes. Ce que j'ai vu, c'est que le changement arrivait par les jeunes, très certainement parce que les plus âgés, c'est entre le syndrome de Stockholm et la grenouille dans l'eau chaude, c'est-à-dire qu'on s'était habitué et qu'on ne challengeait pas forcément. Et quand on a des jeunes qui arrivent et qui disent, et vraiment je l'ai vécu, pas jeudi 17h30 parce que j'ai piscine, ou qui disent non, je ne veux pas de CDI, je prends un CDD de 9 mois parce que derrière j'ai un projet. Il y a un effet contagion, c'est-à-dire que logiquement, les autres, hein, qui ont un cerveau, qui ont un cœur, qui regardent autour d'eux, se disent « Ok, d'accord, donc piscine, c'est d'accord. » Ils se disent « En fait, je ne suis pas bien sûr que mon CDI soit un viager, donc si j'ai un projet, c'est peut-être le moment de le mener. » Et donc, je pense que je pense que l'effet changement dans les entreprises un peu anciennes vient de l'arrivée des jeunes. Mais la contagion, moi, j'ai vu des effets contagion hyper rapides, hein, sur des équipes. Et dans le bon sens du terme, hein, parce que je trouvais ça plutôt positif. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous, les trois experts. Moi, j'adorerais déjeuner avec vous, hein, cet été. Donc, on va voir ça avec Mélanie si ça s'organise. Là, on n'a sûrement pas fini. Et pour les participants, on vous fera une restitution du déjeuner promis. Merci à tous. Merci pour votre participation. Et puis, à une prochaine fois. Merci. Et on vous a... Au revoir. Ah, bonjour Delphine Penalva.